You be thugging through the long nights. Yeah. All we knew were the soldier type. You ain't never voting right. Yeah, yeah. You be ducking through the lonely nights. You be ducking. Yeah. You be always know you are. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de promener Dudus. Du coup, je me suis posée juste 5 minutes et je voulais en profiter pour vous parler. Vous savez, de l'article que j'ai reposté il y a quelques jours concernant tout ce qui était vaporette, qui n'était pas forcément bon pour la santé. Alors, je parle pas des gens qui sont en transition de la cigarette vers la vaporette, vers potentiellement ne plus être fumeur. Je voulais surtout vous parler de mon cas, puisque je ne suis pas fumeuse. Bon, vous le savez, j'aimais bien fumer la chicha de temps en temps et ça fait très longtemps que je n'ai pas fumé la chicha parce que c'est vraiment pas magique, hein. On a tous des envies des fois de fumer, de boire ou autre, mais bon voilà, quand on voit l'impact que ça peut avoir sur le corps, en tout cas ça m'a calmée. Et du coup je m'étais mise à la vaporette alors que je ne suis pas fumeuse, et c'est de cette expérience là dont je voulais vous parler, puisqu'en plus vous avez été nombreux à réagir et à me dire que vous aussi qui n'étiez pas fumeur avez eu des expériences pas top avec justement la vaporette. Donc ce qui s'est passé, c'est que il m'est déjà arrivé de fumer des cigarettes en soirée, il m'est déjà arrivé de fumer la chicha, j'avais déjà fumé quelques fois la vaporette avant, et bref, et je suis tombée un peu addict d'une vaporette que j'ai trouvée ici donc à Dubaï, qui était très très yummy, et en fait je suis vraiment tombée addict, c'est-à-dire que pendant quasi 2 mois, je fumais ma vaporette dans la voiture, quand j'étais en soirée, au restaurant, enfin c'était vraiment devenu addictif alors que ben, voilà, je ne suis pas fumeuse à la base. Ce qui s'est passé, c'est que aux alentours de mon anniversaire, genre une semaine après, j'ai commencé à avoir une extinction de voix, je sais pas si vous en souvenez, et tout de suite après, j'ai toussé, mais vraiment violemment, c'est-à-dire que je n'arrêtais pas de tousser, j'avais des quintes de toux même la nuit, toute la journée, je suis allée chez le médecin 2 fois, il m'a donné des antibiotiques, ça passait pas du tout, on savait pas si c'était une bronchite, une pneumopathie, enfin peu importe, on savait pas ce que c'était, mais en tout cas je n'arrêtais pas de tousser et j'ai commencé vraiment à avoir peur, surtout que ça ne se calmait pas et que voilà, ça me faisait vraiment flipper. Donc j'ai immédiatement stoppé la vaporette, donc je vous dis, je suis allée 2 fois chez le médecin et vraiment voilà, j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit waouh, si 2 mois de vaporette un peu intensive ça m'a flingué les bronches ou les poumons ou autre, c'est que vraiment ça craint, et je voyais pas d'autres raisons pour laquelle je toussais à ce point, surtout que voilà, quand vous êtes malade c'est 1 semaine, 10 jours, mais là ça faisait quand même 2 mois. D'ailleurs, quand je suis allée à Paris pour mon pop-up cosmique, je toussais encore et j'avais dû décaler mon voyage parce que j'avais carrément une boule dans la gorge, un point dans le thorax. Enfin bref, vraiment, après je pense que je psychotais aussi, mais j'ai eu très peur. Heureusement, mon corps me met toujours en alerte très rapidement quand je fais quelque chose dans l'excès ou autre. Et là, pour le coup, j'ai pas eu besoin de fumer pendant 3 ans pour que mon corps me dise ne fais pas ça, c'est pas bon, ça va te flinguer. Donc, tout ça pour vous dire que ça ne fait que depuis 2 semaines, je crois que l'air de la montagne m'a aidé aussi, que je ne tousse plus. Pendant 3 mois. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager, puisque du coup j'ai pu retoucher une vaporette depuis et je compte pas en retoucher. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont en transition, qui ont besoin de ça pour passer le cap de la cigarette, qui est nocive aussi, et je remets pas du tout ça en question. Je pense que c'est une très bonne alternative. Je connais plein de personnes qui utilisent la vaporette justement pour cette transition, qui n'ont pas de soucis. Je pense que moi, en n'étant pas fumeuse, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes du coup qui ont l'impression que c'est pas nocif, que c'est pas toxique, et qui du coup au lieu de fumer prennent la vaporette. Bon, voilà, c'était juste une mise en garde de c'est pas mieux que la cigarette, et l'idéal c'est de rien fumer du tout, ou très 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 occasionnellement pour ne pas se sentir bridée ou autre, mais voilà, avec parcimonie et ne pas tomber addict quoi. Donc voilà, c'était mon expérience personnelle, donc je ne vous conseille pas de fumer ça, forcément ni la cigarette, ni la chicha, ni autre. Rien de tout ça n'est bon pour le corps, et j'en ai fait les frais et ça m'a vraiment fait très peur, mais heureusement tout va mieux. Je ne tousse plus, enfin. Petite précision, j'ai toussé intensément pendant à peu près 3 semaines. Et ensuite c'était dégressif, mais ça a été dégressif pendant quasi 3 mois, c'est-à-dire que tous les jours, le matin, j'avais toujours cette espèce de toux, qui était de moins en moins présente et de moins en moins longue, on va dire.
mais je l'avais toujours. Et vraiment, ça m'inquiétait, parce que je me dis, c'est pas normal de tousser comme ça tous les matins, même si petit à petit, je sentais que ça partait, que c'était de moins en moins intense. Bon, bref, et je vous dis, ça fait... j'étais contente d'aller à la montagne juste pour prendre un peu d'air pur. Mais voilà, ça doit faire deux, trois semaines où... Je ne tousse plus. Donc voilà, c'était dégressif, mais c'était quand même toujours là. Ça a mis quand même voilà, quasi 3 mois à partir. Donc voilà, pas magique. Et voilà, faites attention à vous.